Bienvenue en Beaujolais des Pierres Dorées. Nous sommes à 20 minutes de Lyon, dans la partie sud du Beaujolais. Ce qui caractérise le Beaujolais des Pierres Dorées, ce sont ses paysages, sa lumière, sa douceur de vivre. Les pierres ocres se chargent de soleil et le restituent tout au long de l'année. Cette terre vivante et lumineuse est surnommée la petite Toscane beaujolaise. Ses nombreux villages perchés, rayonnant de soleil, à la fois proches et distants, ses vallonnements sans heurts, renforcent l'impression d'un espace infini. Parmi ces villages, un des plus beaux villages de France, Oin, se dresse en citadelle. De magnifiques panoramas vous attendent. Les maisons, les châteaux, les monuments ont été érigés à partir d'affleurements rocheux en calcaire teinté d'oxyde de fer. Les collines ont d'ailleurs longtemps abrité les tailleurs de pierre. La vigne est omniprésente. Le Beaujolais des Pierres Dorées a reçu le label Vignoble et Découverte. En Beaujolais des Pierres Dorées, on cultive le gamay. Vous y rencontrerez des viticulteurs passionnés qui transmettent leur savoir-faire de génération en génération, comme Jacques, viticulteur qui conjugue tradition et modernité. Vous ne manquerez pas de faire une dégustation dans un des magnifiques caveaux où vous serez accueillis chaleureusement par nos viticulteurs qui vous initieront aux secrets de leur métier. Votre séjour en Beaujolais des Pierres Dorées se fera sous le signe de la convivialité et de la qualité de vie. De nombreuses activités vous sont proposées pour petits et grands. Vous pouvez parcourir nos sentiers viticoles, nos chemins de randonnée, en parcours libre ou organisé. Ils vous conduiront de village en village, tout comme la route touristique des vins du Beaujolais, véritable fil conducteur entre les principaux lieux d'attraction touristique. Vous pourrez faire une halte pour rencontrer nos artistes locaux. Ils vous accueilleront dans leurs ateliers et vous feront découvrir leurs créations. Tout au long de l'année, des animations culturelles viennent ponctuer votre séjour qui ne saurait être complet sans un arrêt dans l'une des nombreuses tables de notre terroir.